Direction Montpellier à présent avec une opération coup de poing menée par plusieurs associations, notamment la Ligue des droits de l'homme. Une cinquantaine de militants ont planté des tentes devant la préfecture pour réclamer la prise en charge de 12 Somaliens, des réfugiés qui sont à la rue depuis l'incendie de leur squat dans la nuit de jeudi à vendredi près d'Arennes. Parce que la solution du squat n'est pas une solution possible. Le dernier a brûlé, ils ont failli mourir dans l'incendie. On ne peut pas demander à des gens qui sont réfugiés, qui ont subi des traumatismes dans leur pays, qui apprennent le français, qui cherchent à l'intégrer, à s'intégrer, de dormir dans des squats et d'avoir une survie à peine digne. Donc là, il faut qu'ils soient visibles et ils ne vont pas aller se cacher. Donc maintenant, ils sont sous des tentes et on va rester jusqu'à ce qu'on ait un hébergement pour ces personnes.